Au niveau des collectivités, la collecte des taxes est encore plus complexe, estime Adama Berté, responsable d'une start-up qui propose des solutions de paiement par voie électronique. Je me suis spécialisé dans la collecte des taxes, mais je me suis spécialisé uniquement dans le domaine des collectivités. C'est eux qui ont d'énormes difficultés pour recouvrir leurs taxes. Ici, ça, ce sont nos agents, le paiement immobile, nos agents. Les plus grandes difficultés des collectivités, c'était que quand tu dois 3 000, quand tu donnes 500 francs, le gars le met dans sa poche. Il n'y a pas de trace des 500 francs. Donc, ça ferait des années, on ne paiera pas, mais les gens ont empoché beaucoup de 500 francs, 1 000 francs, mais sans que ça soit vraiment enregistré. Mais aujourd'hui, je vais démontrer quand le monsieur va payer 100 francs ou 500 francs, ça va être déduit de ce qu'il doit faire. Sur le terrain, certains l'ont compris. Donc, Ibrahim Niangadou. Pour Niangadou, il revient à chaque partie de bien accomplir son devoir. Parce qu'il faut que nous, on ne sait pas qu'il y a des gens mais est-ce qu'on a des gens qui sont là? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ni akuga ba fe baraka nya am bere joni ma ko fo jamana ka jo fam be fana ka kli ya ya ni ya yi bien ban jo ka fo kan ku chien ni ngeme munan chien ni bla anye be mo do la nya fe mun ba fe ga nya am fana be tugu ko abi nya chugo do yere bulo ni jamana jo bara ni jamana jo bara do o madi. Les défis liés aux recettes fiscales passent entre autres par la lutte contre la fraude, la transparence, la simplification des procédures administratives, la création d'un environnement propice au civisme fiscal.